concernant un résultat. Finalement, ma vie est pleine de problèmes. Je règle un problème, il y en a un autre qui suit. Quelqu'un qui devient mère, ok? Ça peut être aussi une Allô tout le monde, re-bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, je suis avec ma mère. Si vous la connaissez pas déjà des réseaux sociaux, elle porte le nom de Dame de cœur sur les réseaux. Puis, c'est quoi que tu fais sur les réseaux sociaux, maman? Je tire aux cartes, je fais les lignes de la main, je suis voyante, si on peut appeler ça du genre. Je me sers de les cartes pour voir le futur. Je peux savoir les amours des personnes. Je peux savoir leur passé et leur futur. Puis ça fait déjà, ça fait quand même un petit bout. Ben, j'ai fait ça toute ma vie. Là, présentement, ça fait 3 ans que je le fais professionnel. Mais avant ça, je le faisais juste avec des amis proches parce que j'avais ma carrière aussi. Puis après ça, ben, je suis devenue un petit peu populaire, ouais, si on peut dire. Si vous la connaissez pas, ma mère, elle a fait plusieurs collaborations avec beaucoup de youtubeurs, beaucoup d'influenceurs ici au Québec. Honnêtement, ma mère, elle m'a tirée genre toute ma vie. Comme quand ça allait pas à l'école ou quelque chose, j'allais comme voir ma mère puis elle me tirait aux cartes. Ou genre si j'avais des problèmes dans ma vie, elle me tirait aux cartes comme elle faisait avec tous les membres de notre famille. Quand elle a commencé à être plus connue sur les réseaux sociaux, évidemment, comme moi aussi j'ai une présence sur les réseaux sociaux, puis faire une vidéo qu'elle me tire aux cartes, c'est comme normal pour nous parce qu'elle me tire tout le temps. Mais on hésitait un peu de faire ça au début parce qu'elle avait pas vraiment comme établi, comment dire, sa réputation, puis je voulais pas que le monde y commence à juger tellement facilement, dire que oh, c'est sa fille, c'est sûr qu'elle va être en accord, toutes les réactions dans la vidéo sont fake, bla bla. Donc moi je préférais attendre qu'elle fait sa réputation, les influenceurs ils donnent leur review par rapport au service qu'ils avaient eu avec ma mère, puis qu'ils disent comme oui c'est vrai, qu'ils disent que c'est vrai par eux-mêmes, après par la suite faire ma vidéo. Donc là maintenant on est déjà bientôt 3 ans qu'elle est sur les réseaux. Donc là, je me suis dit, bon, c'est à mon tour là, de me faire tirer puis partager ça avec vous parce que je sais, il y en a beaucoup que ça leur intrigue puis aiment regarder les vidéos un peu comme ça avant de booker un service avec ma mère. Donc aujourd'hui, elle va me tirer au cœur. Je suis pas trop sûre quelles questions je veux poser. Quelle sorte de questions qu'il faut que je pose? C'est une question... Bon, premièrement, t'as droit, on appelle ça soit un vœu ou une question. Moi, je vais te répondre par oui ou par non. Je vais te tirer aux cartes avec le jeu de cartes ordinaire que j'utilise, en fait, compte pour les clients que je fais habituellement. Ce que tu vas faire pour commencer, c'est que tu vas brasser tes cartes. Okay. Puis en brassant tes cartes, tu vas penser à une question. Oui, c'est pour ça qu'il faut que j'y pense. Il faut vraiment que tu te concentres sur une question. Ok, c'est parce que je veux vous dire ma question à la fin, donc je veux pas que ça soit une question trop, comment dire, genre personnelle, que je peux pas après vous dire, parce que c'est un peu ça le but de la vidéo, qu'après genre je dis c'est quoi, puis là on va voir, on essaye de trouver, tu sais. Ok, c'est bon, donc là je vais brasser mes cartes, puis il faut que je pense à ma question, puis il faut que ça soit une question qui peut être répondue par oui ou par non, parce qu'à la fin les cartes ils vont nous dire oui ou non. De ta main gauche, tu vas couper de la gauche, par la gauche, avec ta main gauche. C'est bien ça. Donc là, on fait 6 paquets de 3 cartes. Je sais un peu comment ça fonctionne. Bon. La première ligne peut nous démontrer quelque chose. Soit c'est pourquoi tu viens me voir, ou c'est juste quelque chose là qui va apparaître. Ici on voit la dame de cœur. Dame de cœur, ça peut être une mère de famille. Ça peut être quelqu'un qui devient mère. Ok. Ça peut être aussi une dame. C'est pas toi. Là. Si vous dire, moi j'ai pas dit ma question à ma mère. Là. J'ai juste dit penser. Elle sait pas c'est quoi. Elle peut avoir une idée. Parce qu'elle me connaît, puis j'ai dit tout le temps les affaires que je me demande qu'est-ce qui va se passer dans ma vie. Mais maintenant, j'ai pas dit comme qu'est-ce que j'ai demandé là, dans ma tête. Donc, je l'ai juste dit. Là, tu ouvres l'autre petit paquet. Ce qui est pour lui qu'on appelle 10 de carreau, 7 de pique, 10 de pique. Bon, moi ici, je vois un changement. Quelque chose qui a changé, mais on dirait que c'est déjà changé. Je vois une situation difficile. Situation difficile que tu peux pas rien faire. Tu peux pas rien faire pour changer ça. Mais je vois un changement. Quelque chose qui a changé, qui apporte cette situation difficile. Puis je vois le 10 de pique. Le 10 de pique, c'est soit une séparation, soit que tu te sépares de quelque chose, ou c'est la maladie. Quelque chose qui a rapport à la maladie. Ça, c'est dans ce qui est pour lui. Okay. Mais ça fait du sens. Mais c'est... Ok, tu vas lever l'autre petit paquet. Le valet de cœur, le 10 de cœur, le 8 de cœur.
ici, ce que je vois un valet de cœur qui peut démontrer un amoureux. Puis là, je vois la carte maman qui est ici. Puis entre les deux, je vois l'amoureux qui est dans le passé. Puis je vois maman qui est en avant de ça. Puis je vois la chose à régler entre les deux. C'est comme si c'est quelque chose qui s'est réglé. Quelqu'un qui ne travaille pas ou qui va subir un changement côté travail ou côté étude. C'est un ou c'est l'autre. Puis je vois de l'inquiétude, puis je vois lui, jeune homme, aux yeux bruns, qui est là. Hmm. Dans ce qu'on s'attend pas. Là, tu vas lever l'autre petit paquet. Ah, dans ce qu'on s'attend pas. Ici. Dame de pique, l'as de trèfle, le 8 de trèfle. Montre-moi le centre de ton as de trèfle, qui est ton endroit. Bon, ici, on voit la manière que tu te sens. La manière que tu te sens pas bien intérieurement concernant un résultat. Concernant un résultat qui est là. Puis là, je vois le temps qui est là. Le temps qui est long, qu'on attend. Okay? Quelque chose qui prend du temps concernant ce résultat qui est là. C'est le temps ou c'est la distance qui est loin? Moi, je pense que c'est le temps. Hein? Oui. Ton vœu. Dame de trèfle, c'est toi. Sept de cœur, l'as de carreau. Bon, ici, moi, je vois la dame de trèfle. Dame de trèfle, je crois que c'est Sabrina. C'est ça, j'ai mis sur le coin de sa feuille. Avant de commencer. Puis, je vois la petite fille. Je pense vraiment que c'est toi. La petite fille Sabrina, hein? Devant toi, ce que je vois le grand désir qu'elle a. Il y a beaucoup de choses que je désire. Donc là, je vais rebrasser les cartes, je repense à la même question, je change rien. Mm-hmm. Puis là, je me concentre. Ici, ce que je vois que t'es contente, Sabrina. T'es contente à cause de ce grand désir qui est là, que probablement tu vas avoir. Puis là, ici, ce que je vois la vie, je vois les projets qui sont là. Très belle carte. Bon, ici, je vois toi. Ici, ça peut être un homme aux yeux bleus, OK? Mais ça peut être aussi un père. Je vois la rapidité des choses, comme si quelque chose qui s'en vient rapidement en avant de toi. Ah, en rapport avec lui. Ouais. T'as pas été voir le médecin, toi, hein? Non. OK. C'est pas le médecin. C'est okay, soit cet homme aux Qu'est-ce yeux bleus. Qu'est-ce qui va se passer avec moi? Ben, c'est parce que ça peut être un homme aux yeux bleus. Si c'est un homme aux yeux bleus, il est comme plus vieux, hein, un peu. Ou c'est ton père. Bon, ici, je vois une dame, elle a les yeux verts, père, n'oublie pas dans le jeu, c'est toi qui as les yeux bruns, même s'il y a quelqu'un qui aurait les yeux bruns. Ils vont sortir d'un autre. Ouais, c'est ça. Ici, je vois le début, je vois cette dame, le début de quelque chose, puis là, je vois maman, une mère qui est là, OK? Une autre femme avec toi qui est là. Le début de quelque chose. Ça se peut que c'est pas moi, là. OK. Ça se peut que elle devient mère, là. Okay. Ça, c'est dans ce que tu t'attends. C'est pas une surprise. Elle, là, cette femme-là, je vois le début de quelque chose, puis je vois comme si qu'elle devient mère. OK. Ben, j'ai beaucoup d'amis qui vont devenir mère. OK. Ben, pas beaucoup d'amis, mais... Mais en tout cas, on dirait... Puis oublie pas que elle, ici, là, rapide, hein? Tu vas lever l'autre petit paquet. Je connais beaucoup de gens qui sont en... Ce que tu t'attends pas. On voit, c'est côté études ou côté travail. Mm-hmm. Je vois une situation difficile que tu peux pas changer par rapport à ça. Mais je vois aussi le roi de pique. Roi de pique, ça peut être contrat, lettre, chose à signer par rapport à ça. Donc, difficile par rapport... Mais je vois une situation difficile que tu peux pas rien faire pour changer ça, cette situation, okay? Mais je vois contrat ou lettre ou des papiers, gouvernement ou toutes ces choses-là qui a rapport à ça. T'as juste pas de choix de dealer avec cette situation. Donc c'est l'école ou le travail. Ça peut pas être un problème entre les deux. Oui, ça peut être aussi ça. Parce que pour moi, c'est la même carte. Grand résultat, je vois du changement pour toi, Sabrina. C'est comme si c'est un résultat qui arrive. Quelque chose que soit t'attends comme résultat. Je vois ce grand résultat. Je vois du changement pour toi. OK? OK. Là, tu vas lever l'autre petit paquet. Bon, ici, moi, ce que je vois la manière que tu te sens. Tu te sens pas bien intérieurement. Mm-hmm. Il y a quelque chose qui te dérange. Je vois quelque chose qui se termine. Oh, shit! Mais ça te dérange juste un petit peu. Pas trop intense. Mais moi, c'est facile de me déranger. Je suis tellement une fille sensible que... Mais ça te dérange juste un petit peu. Puis je vois quelque chose qui se termine. Je vois deux hommes dans ton futur. Un homme aux yeux bruns et un jeune homme aux yeux verts. Je les vois en avant de toi. Il y en a deux. Soit que c'est un gars qui a les yeux entre brun et vert, comme les yeux azur. Mm-hmm. Ça se pourrait que c'est ça. Ou que c'est quelqu'un qui a les yeux bruns très très pâles. C'est toi et deux devant toi. C'est des jeunes hommes. Mon Dieu. Ici, je vois de la peine présentement.
Puis dans le futur, je vois de l'inquiétude. Quelque chose. Moi, je suis tout le temps inquiète. Là. C'est facile m'inquiéter. T'es inquiète pour ton futur. Oui, toujours. Ici, on a maman. Ça m'a l'air d'être moi et ton père dans ce qui t'attend. Ce que tu t'attends pas. Ici, je vois un voyage. Un déplacement, un voyage. Pendant le COVID? Je vois ici des choses à régler. Je vois une situation difficile qui va se régler. Ça se règle, mais en même temps, je vois que ça l'emporte. En se réglant, je vois que ça l'emporte une autre situation difficile. Mais celle-là, tu peux pas rien faire avec. Je sais pas qu'est-ce qui se passe là avec toi là. Quelque chose qui se règle, mais ça n'emporte une autre situation. Puis celle-là, tu peux pas rien faire avec. Finalement, ma vie est pleine de problèmes. Je règle un problème, il y en a un autre qui suit. Ouais. Là, tu... Ouais. Ouais. Moi, ce que je vois la dame là. Tu sais, la dame là qui a la voir probablement qui devient mère. Des choses à régler. Je vois qu'elle devient mère. Je vois qu'elle vit de la tristesse. Puis être accompagné du roi de pique. Le roi de pique, là, c'est tout ce qui a rapport à la loi ou des choses comme ça, cette dame-là. Puis tu la connais? Ouais. Bon, moi ici, ce que je vois le travail ou les études. Je vois un amoureux. Hein. Mais je le vois comme si qu'il quitte le travail ou qu'il quitte les études. Il apparaît comme le valet de cœur. Soit c'est un jeune homme aux yeux bleus, ou soit que c'est un amoureux. Puis là, je le vois qu'il quitte. Puis je vois qu'il fait ça rapidement. Ta réponse est non. Je m'en doutais. Ah ouais? Ouais. Donc là, je peux dire ma question. Je me demandais si j'allais me trouver un copain cet été. OK. Comme si j'allais rencontrer quelqu'un. Pas juste comme rencontrer pour me faire du fun, mais comme quelqu'un que j'allais potentiellement être avec, genre. Je sais pas, j'ai comme un pressentiment à l'intérieur de moi que comme... Surtout avec la situation du COVID, ça aide pas. Mais on dirait que je suis dans une phase de plus comme focusser sur mes projets. Puis comme la situation du COVID me pousse un peu à mettre toute mon attention là-dessus. Comme c'est pas la première fois que ma mère elle me tire. Comme ça fait une couple de fois qu'elle me fait genre le tarot ou des jeux comme ça. Puis dans tous les jeux, ça dit que mes projets c'est comme number one, ça explose. Pour toi, peut-être que là, toi, t'as demandé cet été, on est déjà dedans. Ouais, c'est pour ça que j'ai demandé comme cet été, il reste juillet ou septembre. Exactement. Comme... Toi, t'as demandé quelque chose, est-ce que ça l'arrive dans l'espace de trois mois? Ouais, exactement, c'est ça que j'avais en tête. Moi, je ne croirais pas que tu vas rencontrer quelqu'un dans l'espace de 3 mois, mais je crois que oui, tu vas rencontrer quelqu'un. Ici, le travail, concernant le travail, un jeune homme qui on dirait que de l'inquiétude concernant lui, on voit qu'il quitte. Ah, ça, je pense que j'ai une idée. Ah ouais? Ouais. Soit le travail ou les études. Ouais. Ah ouais? Ouais. OK. Je sais. Ici, concernant les études en avant, papier, choses, situations difficiles que tu peux pas changer, concernant ça, t'as pas le choix de dealer avec ça, OK? Mais je vois des papiers ou quelque chose qui te dérange à cause d'une genre de situation concernant le travail ou les études. OK. OK?